Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash Royale pour vous présenter un très très bon deck. Et c'est celui-ci avec Géant Royal, Barbare d'élite, vous allez me dire. Mais comment tu fais ça? Comment tu respectes personne avec Barbare d'élite, Géant Royal? Ça se fait pas, mais je vais le faire quand même. Si vous voulez remplacer le Zap par une bûche, ça fera l'affaire. J'ai débloqué le bourreau. Lui ou le bourreau? Voilà, le bourreau. Et sur cette glace, normalement, je vais vous mettre des screens tout de suite. Et on va commencer directement avec un combat en ligne. Vous avez demandé que je fasse des combats en ligne. Du coup, nous allons les faire. Là, le combo, c'est sorcier plus géant royal. Si vous voulez faire des petites modifications à votre sauce, vous pouvez, vous avez le droit. Du coup, là, on va défendre. Juste avec des gargouilles, ça va suffire normalement. Voilà, il va mettre un zap peut-être. Même pas. Ok. Du coup, les gargouilles qui vont un peu gratter de l'autre côté, non. Non, non, non. Ils vont pas gratter. Il m'a dit non, le mec. Sorcier de niveau 7. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il est un peu plus fort que moi. Mais c'est pas très grave. Hop. Hop. Petit zap. Et là. Petit barbare d'élite là qui vont passer crème avec le sorcier. C'est vraiment excellent. S'il défend pas. Vraiment. Ok, il a mis ça. Et ça, en plus, il a raté la bûche avec les barbares d'élite. Là, nous avons fait énormément de dégâts. Simplement avec un petit combo qui permet de nous défendre. Plus de nous attaquer. D'attaquer des deux. Du coup là. Petite gargouille, ça fera l'affaire. Il a fait vraiment un petit peu de dégâts le petit cochon là. Mais c'est pas grave. Du coup, là, s'il défend pas les garous, ça va gratter un peu plus. Mais il les a défendus. On va faire le même combo tout à l'heure. Hein. Sorcier plus zap s'il met des trucs. Non, il met pas. Ok. Du coup là, nous allons défendre simplement. Et là, on va mettre notre géant royal juste devant. Qui permettra de détruire la tourelle si possible. J'espère qu'il prend pas le focus le sorcier. Voilà. Là, on va faire un autre zap pour la mettre squelette. Non, même pas. Ok, et regardez le sorcier qui fait vraiment le taf. Regardez le sorcier. Magnifique. Si vous voulez remplacer sorcier par bourreau, c'est pareil. Mais je préfère le sorcier car il est un peu plus efficace. Bourreau aussi, mais moi je l'ai que niveau 1, du coup ça sert un peu à rien. Cochon qui a fait aucun dégât à la tourelle. Là, on s'en survient. C'est des troupes plus EP que moi. Mais c'est pas grave, c'est pas des niveaux trop qui comptent, c'est le skill. Du coup, en plus, demain, il y a le défi, nouveau défi, le défi du, comment ça s'appelle? Du bélier. On va tester ça. Hein. On va tester ça, j'espère que je vais débloquer le bélier. Là-bas, nous, on envoie un assaut. Et on envoie un petit géant royal. De l'autre côté, hop là. Là, beau petit zap. Et il m'a détruit la tourelle de l'autre côté. Dommage, j'aurais dû défendre. J'aurais dû défendre, j'ai fait une faute. Je pensais pas qu'il allait détruire avec un sorcier, j'ai vraiment pas pensé. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas commencer à avoir des remords. On va commencer à faire ça. On va bien jouer. Du coup là, c'est vraiment très simple. Regardez. Il a raté la bûche, encore une fois. Il s'est pas vraiment joué ce mec. Dommage. Et là, regardez le genre, ouais, qui fait vraiment le taf. Beau taf, méga gargouille qui est juste derrière pour nettoyer toutes ces petites troupes là. Parasites. Et là, en vrai, les barbares, c'est parasite, mais bon. Là, on va tenter. On va tenter, on va tenter. Hop là, le cochon qui met un dégât. Ok. Esprit de feu juste derrière. Hop là, et là. Là, on va attendre. Le petit zap, voilà. Là, ça, c'est du beau jeu. Ça, c'est du beau jeu, les mecs. Regardez, nous détruisant la tourelle en tout doucement, tout doucement. La petite boule de feu pour gratter. Et si le mec, il veut pas lâcher l'affaire. Ben, c'est nous qu'on va lui faire lâcher l'affaire. La phrase qui veut rien dire. Mais c'est pas grave. Du coup, là, le cochon qui va rien faire du tout, il a mis un rage pour rien. Non, nous, on va faire du beau jeu. Nous allons pas le finir à la boule de feu. Mais au genre royal, c'est encore pire de tout. C'est ce que personne veut. Mais nous avons gagné. Du coup, là, vraiment un très très beau combat. Très très lent en plus. Du coup, là, en fait, la technique, vous l'avez compris. Géant royal, sorcier, ça fait vraiment le taf. Mais vraiment le taf. Du coup, là, je suis déjà 262 gemmes. Et 10 000 or. J'attends d'être arène légendaire. Je vais marcher arène légendaire. Du coup, regardez le défi du bélier. Moi, je vais faire la partie gratuite pour faire 5 victoires et je vais me barrer. Du coup, voilà, juste pour gagner le bélier. Mais c'est pas vraiment une très bonne carte, mais elle me plaît. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous présenter ce petit deck qui est vraiment magnifique. Et je vous dis, peace tout le monde.